Donc Lutte Ouvrière participe à cette manifestation aujourd'hui parce que nous voulons dénoncer les campagnes anti-musulmans qui font rage maintenant depuis des semaines. Et puis pour dénoncer aussi cet attentat odieux qui a été commis contre la mosquée de Bayonne. Voilà, nous voulions absolument dire notre solidarité vis-à-vis de tous ces, toutes ces travailleuses, ces travailleurs musulmans qui sont pointés du doigt nuit et jour depuis plusieurs semaines. Voilà, alors on leur reproche tout et n'importe quoi. Ils sont soupçonnés en permanence, stigmatisés. On fait l'amalgame entre les terroristes, les musulmans. Donc toutes choses absolument insupportables. Donc nous sommes là pour dire à cette haine anti-musulmans, tous les racismes, ça suffit. Ça suffit, il faut combattre tous les racismes et puis réaffirmer toujours et encore que quelle que soit son origine, sa couleur de peau, sa confession, le fait d'en avoir ou pas d'ailleurs, les travailleurs appartiennent tous à une même classe sociale, à la classe ouvrière qui a des intérêts communs et qui doit se battre ensemble. Voilà, collectivement, il faut que nous fassions bloc aujourd'hui face à toutes les attaques qui nous tombent dessus. Et il faut s'opposer à tout ce qui nous divise. Face à la campagne de haine du gouvernement contre les musulmans, contre les travailleurs musulmans, eh bien on se doit d'être dans la rue pour protester, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse faire, il ne faut pas qu'on se taise. Voilà, il faut dire qu'on en a marre, qu'on en a ras-le-bol de cette campagne contre les travailleurs musulmans. Il y a deux objectifs dans cette campagne du gouvernement, de la droite et de l'extrême droite, évidemment. C'est le premier objectif, c'est d'essayer de diviser le camp des travailleurs pour nous affaiblir. Et puis aussi, c'est surtout de faire diversion par rapport à la situation sociale, économique et politique qu'on vit aujourd'hui. Tous les coups, toutes les attaques qu'on a subies depuis des années et des années, eh bien aujourd'hui, il y a quelques secteurs du monde du travail qui se dressent, qui relèvent la tête, qui commencent à faire grève, qui manifestent. Eh bien, avec toutes les attaques qu'on subit et que l'on va subir, organisées par ce gouvernement et puis le patronat, eh bien, c'est une manière de faire diversion. Voilà. Les médias, le gouvernement préfèrent parler du voile, de l'islam, de l'immigration, que tout ça, ça poserait un problème, plutôt que de parler de la future attaque des retraites, plutôt que de parler du chômage qui augmente, des usines qui ferment, des licenciements, du pouvoir d'achat qui est bloqué. Eh bien, nous, il faut qu'on soit dans la rue, justement. Et ce qu'on va dire dans cette manifestation, travailleurs français, travailleurs immigrés, même patron, même combat, c'est une même classe ouvrière. Voilà. C'est la lutte.